Après 5 mois de dur labeur, le stage en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 2, logistique option soutien de l'homme AEB AMO Essence première session 2023 vient de tirer ses rideaux. C'était à l'occasion d'une cérémonie de clôture au tarmac de la base aérienne 02 sur 20 de Pointe-Noire, sous les auspices du colonel Frédéric Ingani, chef d'état-major de la logistique des forces armées congolaises. Au total, 309 stagiaires ont eu le bonheur de parfaire leurs connaissances en matière logistique. Ils ont appris plusieurs enseignements techniques de différents métiers, tels la fabrication des pans, l'initiation à la couture, l'usage des pompes à essence et bien d'autres. Soyez fiers de la qualité de la formation que vous avez reçue entre ces murs séculaires du savoir. Nouvelle vitrine de la formation en zone militaire de défense numéro 1. Je tiens à vous féliciter pour votre réussite et l'obtention de votre diplôme qui n'aura de vraie valeur que le rendement que vous produirez. Vous pouvez être fiers des connaissances acquises ici au groupement 3 Martyrs, car cela vous a permis d'améliorer et de parfaire vos connaissances, de gagner le pari, de relever le défi et d'en sortir comme technicien qualifié en logistique. Que ces mots de l'écrivain Arnaud Botti, qui disait, je cite, « La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. » Cette formation théorique et pratique a comblé les attentes des encadreurs, d'autant plus que les candidats au diplôme de la logistique ont mis du cœur à l'ouvrage, jusqu'au point à obtenir des bonnes moyennes, un travail qui a été hautement apprécié par le chef d'état-major de la logistique. Ce stage préparatoire en vue de l'obtention du certificat de logistique, forte en émotion et en valeur, se conclut sur le geste d'encouragement et de complicité de la part de l'encadrement qui reçoit aujourd'hui toutes nos félicitations et nos voeux de réussite. Cette image est plus parlante que tous les discours. Ce stade de formation dont le but a été de donner les outils et aptitudes nécessaires pour mieux servir la fonction logistique vient de démontrer qu'au sein des forces armées congolaises, le soldat a l'opportunité d'apprendre plusieurs métiers qui puissent renforcer sa capacité professionnelle.